Ben, j'en mets pas de course à pied aujourd'hui, c'est Pilates. Pilates, mais Pilates avec bébé. Bonjour Sabrina. Bonjour Karim. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Et vous êtes avec la magnifique Nola? Nola, c'est Ah, elle a ça. quel âge? Nola, 4 mois. Oh, elle est toute belle, elle adore. Ici, à la maison des maternelles, on adore les bébés. Et en tant que jeune maman, vous arrivez à trouver du temps pour faire de l'exercice? J'essaye de m'organiser. Ouais, mais c'est C'est pas pas facile. facile. Justement, l'idée, c'est de profiter de ces moments que vous passez avec votre bébé Oui. pour pouvoir en faire. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, on va faire du Pilates. Pilates est génial parce que ça vous permet vraiment de vous focaliser sur la sangle abdominale, D'accord. de travailler ce périnée sur lequel on insiste beaucoup Oui. ici à la maison des maternelles. Il y a Et de quoi. voilà. Et petit coucou à Brigitte, qui est votre belle-mère, Oui. parce que je crois savoir qu'elle vous pousse à faire du sport. C'est bien, Brigitte, c'est bien, c'est bien. Alors, on va commencer tout doucement. Chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose. On y va, on va se mettre à genoux, sur les genoux. Vous posez votre bébé au sol, tranquille, à l'aise. Voilà, on va se mettre sur 4 appuis par-dessus Nola. Bonjour Nola, voilà. Ici, l'idée c'est de toujours commencer par contracter le périnée. Vous retenez une envie de faire pipi, vous serrez le périnée. Et là, vous allez simplement, encore sur l'expiration, décoller les genoux du sol légèrement, passer sur les orteils, voilà. Ne montez pas très haut, descendez un peu, parfait. Tenez quelques 5 secondes et vous redescendez. D'accord. Posez. Okay. Allez, on y retourne. Serrez le ventre d'abord et montez, pas trop haut. Voilà, serrez, restez là, 5 secondes. Et revenez tout doucement. Voilà. Faites le mois une dernière, tenez et sur l'expire, montez. Et le dos reste plat, parfait, ça va, Nola. Voilà, et vous redescendez, expirez. Ça va vous permettre vraiment d'engager les abdominaux. Vous les sentez ou pas? Oui, ils sont les abdos profonds, oui, on le sent bien. Exactement ça qu'on veut, les transverses. Alors, deuxième exercice, toujours dans la même position. Vous serrez le périnée, voilà. Vous allez tendre un bras, disons le bras gauche. Le bras gauche. N'importe lequel, tendez-le. Et la jambe opposée. La jambe opposée. Voilà, tendez la jambe opposée le long du dos. Ne dépassez pas la ligne du dos. Regardez Nola, baissez la tête. Voilà. Ce serait trop facile si on restait comme ça. Ah, et vous allez ouvrir le bras sur le côté, aller vers l'extérieur. Et la jambe vient aussi, pas trop loin, pas trop loin. Moins, moins, moins. Voilà. Et vous revenez dans l'axe et vous posez. Reposez. On essaye l'autre côté. Tendez-moi le bras et la jambe. Tenez. Voilà, et vous venez vers moi, et la jambe là-bas, voilà. Une rotation. Exactement, très légère, et vous revenez dans l'axe, et vous ramenez. Chez vous, faites bien attention à votre dos. Vous voyez bien que le dos de Sabrina ne se cambre pas. Vous n'exagérez pas la cambrure du dos. OK, ça va? D'accord, oui, ça va. Parfait. Ça va. Alors, on va passer sur le côté. La planche latérale, alors, vous restez sur un bras, vous tournez, vous allez tendre une jambe. Voilà, je me place ici. Tendez une jambe ici, voilà, le pied en arrière, là. Votre bras au-dessus, je suis belle, je suis grande. Alors, vous allez enrouler, aller toucher la joue de Nola. Voilà. Et vous revenez avec le bras au-dessus. Voilà. Allez, n'oubliez pas, serrez le ventre. Et vous partez sur l'expire, soufflez. Et vous revenez, revenez dans l'axe. Allez, faites-moi un dernier. Sur l'expire, tenez le ventre et vous ramenez. Parfait. Évidemment, il faut faire l'autre côté, changer de bras. Ah oui. Là, donc vous mettez à l'aise le genou par là-bas, donc face à moi, voilà, parfait. Vous êtes là, laissez votre pied au sol, allez complètement en arrière. Celui-ci, voilà, parfait, pour être stable. Oui, ici, vous êtes ici, vous êtes belle, enroulée, donc là, ça va. Et ouvrez, revenez par là. Allez, encore, ouvrez, revenez sur l'inspire. Serrez-moi le ventre, un dernier, périnée, soufflez, et vous ramenez. Parfait. Et on revient dans la position de départ. Vous allez la prendre dans vos bras, s'il vous plaît, et vous allez vous allonger sur le dos. D'accord. Là, l'idée, c'est d'être à l'aise avec votre enfant. Vous pouvez la mettre contre vous, complètement contre vous, voilà. Je vais pousser, voilà. Merci. Et vous vous mettez sur le dos, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on va faire la table inversée, allongée, là. Vous gardez votre bébé près de vous, levez les genoux, les deux genoux. Levez-les complètement, décollez les talons du sol, encore un peu plus. Voilà, vous serrez le ventre et vous allez poser alternativement les pieds au sol. Donc vous commencez par le pied gauche ou n'importe lequel, posez un pied par terre, doucement sur l'expire, vous revenez. Sur l'inspire, serrez-moi le périnée, expirez, posez le pied au sol et vous revenez. Parfait, encore l'autre. Voilà, et tenez bien, serrez-moi ce ventre et revenez.
Sentez le ventre qui travaille. Oui, je sens. Allez-y. Mais pendant que moi je continue. Vous continuez, vous revenez. Alternativement, okay. Sur l'expire, descendez. Faites bien attention à ce que l'autre genou ne bouge pas. On y va, on revient. Voilà, et vous repartez. Parfait, ça va? Oui, ça va. Voilà, et posez. D'accord. Posez vos pieds au sol, tranquille. Voilà. Et là, vous avez passé du temps avec votre bébé. Alors, vous avez fait de l'exercice. Oui. J'espère que vous avez bien senti le ventre, toute la ceinture abdominale qui travaille. C'est ça. Voilà. Restez concentré sur votre respiration. Uh-huh. Toujours engager ce périnée avant de commencer à travailler. D'accord. Et c'est parfait. D'accord. Et chez vous, faites pareil. En tout cas, merci beaucoup. Elle merci, a été adorable. Voilà. Je crois que ça lui a plu. Hein. Oui, bah ouais. Je pense qu'elle aime bien. Fait des exercices avec maman. Ça change un peu. Merci, Karine. Merci, Sabrina.